deux mois de confinement, voilà que commence la nouvelle ère du déconfinement. À nous les sorties, les flaques d'eau, les roulades dans l'herbe, en restant prudent et en respectant les gestes barrières, bien sûr. Quelle que soit votre situation, vous ne perdez pas l'habitude d'écouter des podcasts intéressants, de découvrir de nouvelles choses, de rester curieux du monde qui vous entoure. Comme tous les mercredis, on espère vous envoyer un peu de bonheur dans les oreilles, et ce soir, pour cette émission Roue Libre, on vous emmène loin, très loin. Alexa vous parlera avec effusion d'un volcan plutôt explosif, Cléora défrichera un aspect de la personnalité humaine, Topo et Elise Kerner nous resservent un épisode de leur série Not Just the Wife sur la vie et les découvertes des femmes scientifiques dans l'histoire, et vous aurez également la réponse à notre quiz du moment, la force d'un muscle est proportionnelle à sa taille, un faux ou un tox. Tout un programme, accrochez-vous, détendez-vous, nous sommes le mercredi 13 mai de l'an 2020, vous écoutez Podcast Science, bienvenue. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous rejoignent, une petite portion de l'équipe anime l'émission chaque semaine, et pour cet épisode, nous avons la joie d'écouter Cléora depuis pas loin de Perduville. Salut à tous. Nous avons Alexa depuis Los Angeles de l'autre côté de l'Atlantique. Salut tout le monde. Nous avons Pierre depuis Paris. Hello. Nous avons Johan depuis Paris, mais pas avec Pierre parce qu'il respecte bien la distanciation sociale comme des pros. Tu sais pas. Bonsoir. Nous avons Pascal depuis l'Alsace, toujours et encore fidèle au poste, sans qui le podcast n'existerait pas et les erreurs de technique ne seraient jamais réparées. Salut tout le monde. Et ce soir, c'est moi et Léa qui vais passer les plats pour l'émission. Alors, je vous propose tout de suite, sans plus tarder, d'attaquer par la chronique d'Alexa. Alors, moi, aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous parle de géologie. Pour inaugurer, j'espère, une nouvelle série de chroniques sur les volcans, si ça vous plaît. Parce que les volcans, on a énormément de choses qu'on peut dire dessus, d'un point de vue scientifique, en géologie, bien sûr, ils nous renseignent sur l'histoire de la Terre, ils nous renseignent sur énormément de choses. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de parler de ça, parce qu'ils sont aussi très divers, donc on a énormément de choses à dire là-dessus. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, pas uniquement d'un point de vue scientifique, depuis la mythologie jusqu'à nos jours, et sont source de fascination et d'histoires qui sont à la fois magnifiques, mais aussi destructrices, ils sont considérés comme des fenêtres à raison sur les entrailles de la Terre. Du coup, on peut à la fois mêler, quand on parle des volcans, des observations anciennes, des observations récentes, un peu d'histoire, et puis beaucoup de science, qui je trouvais quand même très très cool. Voilà, ça va être un peu le but de ces petites chroniques. Et pour la première, j'ai choisi un volcan qui est un très très gros morceau, qui est le Krakatoa. J'ai choisi le Krakatoa pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il est en éruption en ce moment. Donc bon, c'est finalement pas mal d'avoir quelques nouvelles. Et aussi parce que une des éruptions du Krakatoa est une des éruptions qui a été les plus mythiques, je pense. Voilà, relaté, et donc du coup c'est très intéressant de parler de lui à la fois aujourd'hui, c'est à la fois un peu une actualité, et puis aussi pour commencer ces petites chroniques. Donc comme je l'ai dit, il est rentré en éruption en fait il y a moins d'un mois, en avril, et c'est aussi l'un des volcans les plus meurtriers et actifs sur Terre. Et notamment, je vais faire un petit peu de teasing, il a donné lieu au son qui est considéré comme le son le plus fort jamais entendu sur Terre et relaté. Ça donne un peu la mesure de ce qu'une éruption de ce volcan peut être. Alors, avant de rentrer dans les détails de tout ça, on va essayer d'abord de replacer le Krakatoa. Est-ce que vous savez où c'est ? C'est en Indonésie. Effectivement, c'est en Indonésie. Je savais. Moi, j'aurais dit c'est dans mes toilettes, après une bonne fondue, mais c'est... Voilà, effectivement aussi. Donc il y a plusieurs endroits au sens propre et figuré. On va dire que le sens propre, dans tous les sens du terme, c'est en Indonésie, effectivement. Et en fait, on dit le Krakatoa, mais c'est plutôt un ensemble d'îles volcaniques qui est situé au niveau du détroit de la Sonde. On ne va pas reprendre la métaphore de Topo. Donc au niveau des détroits de la Sonde, ce qui vous avance pas beaucoup en fait, sauf si je vous indique que c'est pile entre Sumatra et Java, et j'espère que ça vous avance un peu plus. Et donc on se situe effectivement en Indonésie.
Donc j'ai parlé d'îles volcaniques, ça veut dire donc on en a plusieurs, comme je l'ai dit, et en fait, vous pouvez vous demander combien on en a. Bah, cette question, je ne vais pas pouvoir y répondre de manière pérenne dans le temps. Je suis obligée de parler d'années quand je parle de combien d'îles du Krakatoa, parce que le nombre d'îles va évoluer en fonction des éruptions, en fonction de l'accumulation de cendres et de ponces qui sont émises par le volcan. Pour vous donner une idée, avant l'éruption de 1883, dont on va reparler dans une minute, l'archipel du Krakatoa était formé de trois îles principales, Lang, Verlaten et Krakatoa. La plus grande, donc Krakatoa étant la plus grande, sur laquelle se situaient les trois cônes ou montagnes volcaniques, et qui faisaient 9 km de long sur 5 km de large. Ça vous donne un peu une idée de la taille de ces îles. Et donc ça, c'était avant l'éruption de 1883, c'est ce qu'on avait. Et on va voir ensuite, par la suite, que ça a énormément changé. Avant 1883, le volcan dormait en fait depuis 1681, donc évidemment avec toutes les précautions qu'on a sur les archives historiques qu'on a de cette époque-là, mais c'est un peu ce qui se dit. Et on a des archives qui documentent des éruptions bien avant ça, en fait, aussi tôt que 4016 ou 535. On se situe vraiment sur des archives très très anciennes. Donc on sait que ce volcan a toujours été un petit peu actif, très actif même, et en tout cas, on avait une documentation des éruptions. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que en 1883, le volcan s'est réveillé. On a eu une première activité sismique qui a été ressentie jusqu'en Australie, à 3000 km de là quand même, donc ça vous donne un peu une idée de la distance à laquelle on pouvait ressentir une activité sismique liée à ce volcan. Et on avait aussi, suite à cette éruption du 20 mai 1883, un bruit qui était audible jusqu'à l'actuel Jakarta. Et on avait des panaches de vapeur et de cendres de plusieurs kilomètres de haut associés à ça. Ça peut vous paraître comme une grosse éruption, mais vous allez voir que ce n'est en fait que le début. Plus tard en juin et en juillet, on a eu une reprise de l'activité de nouveau, avec un nouveau cône volcanique qui s'est édifié. C'est-à-dire que le volcan, qui était apparemment donc comme une petite montagne avec un cône volcanique, a grandi et est devenu de plus en plus haut au fur et à mesure que l'éruption se passait. Donc on avait des cendres et de la roche qui se créait et le cône qui s'édifiait. Mais tout ça restait finalement actif, mais relativement safe, on va dire, pour les populations autour. Mi-août, par contre, de cette année 1883, l'activité s'est vraiment encore plus intensifiée, avec tellement de panaches de fumée que les bateaux qui passaient encore dans le détroit de la Sonde, ça peut paraître fou, mais bon, voilà, les gens continuaient à passer là, notamment pour des routes commerciales, etc. Ces bateaux qui étaient dans ce détroit de la Sonde ont navigué dans l'obscurité quasi totale pendant plusieurs heures alors que le volcan émettait des cendres. Et en fait, à ce moment-là, les gens ont dénombré à peu près 11 points d'émission de panache volcanique. Donc ça vous montre plusieurs choses ici. D'abord que le volcan, il est en constante évolution. On avait plusieurs bouches au début, moins. Maintenant, on en a 11 points d'émission de panache volcanique. On a un cône qui se construit petit à petit et de plus en plus de cendres qui sont émises telles que on se situe dans l'obscurité. Mais en fait, là encore, ce n'est que le début. Et la grosse éruption qui donne au Krakatoa son statut de mythe commence en fait le 26 août 1883 à 13h, par une violente explosion qui s'entend à 50 km à la ronde. Et vous allez voir que si vous pensez que c'est beaucoup, en fait, ça ne l'est pas. Et cette explosion, elle est accompagnée d'un panache de cendres si important qu'il s'élève à 27 km de haut et plonge la région dans la nuit à 160 km à la ronde du fait des retombées, qui durent en fait encore toute la journée. Mais en fait, c'est le lendemain, donc le 27 août, à 10h02, c'est très très précis, on a des archives vraiment précises de cette éruption, que se produit une explosion telle qu'elle sera entendue jusqu'au centre de l'Australie. Alors, est-ce que vous avez une idée de la distance entre le Krakatoa et l'Australie, le centre de l'Australie ? Mais c'est quoi ? C'est un cours de géologie ou un cours de géographie ? J'arrive pas à comprendre, là. Les deux. Non, 4000 kilomètres. T'as dit quoi, Johan ? 4000. Alors on est entre 3000 et 4000 kilomètres et en fait on a entendu l'explosion jusqu'à l'île de Rodrigues dans l'océan Indien qui est à 4800 kilomètres de là. Donc ça vous donne un peu une idée du bruit. Du coup c'est comme ça qu'ils ont estimé le nombre de décibels de l'éruption ? Alors pour ça effectivement le nombre de décibels de l'éruption on en parlera
un petit peu après. Ils ont estimé ça par rapport effectivement à la distance à laquelle ça avait été entendu. Alors pas seulement à un endroit, à plusieurs endroits en fait, puisque on a à peu près des données assez claires de combien ça a été entendu à différents endroits. Et aussi, j'en parlerai tout à l'heure, l'onde de choc et l'onde du son a été enregistrée, perturbée pas mal l'atmosphère. Et donc grâce à ça, on a pu estimer le nombre de décibels de l'explosion. C'est un ensemble de données en fait qui ont permis de faire ça. Parce qu'effectivement, en 1883, on n'avait pas nécessairement de quoi mesurer directement le son. Moi, j'ai une question sur l'heure. Dis que c'est très 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 précis, mais il y avait des montres super précises à cette époque-là ou... Alors, savoir si c'était des montres à quartz ou pas, je ne saurais pas te dire, évidemment. Mais c'est une heure précise qui a été... J'imagine ça a été le plus précis qui a été enregistré à ce moment-là, ouais. Je pense de l'ordre de la minute, c'était assez précis pour le savoir. Ouais, ouais, ouais. Et donc, puisqu'on parlait du son, justement, et pour rebondir sur la question d'Eléa, on considère que si on avait eu des gens dans un rayon de 16 km, ils seraient tous devenus totalement sourds. Et les personnes qui se trouvaient à moins de 160 km de distance ont été atteintes de troubles de l'audition, donc plus ou moins permanents, hein, suivant là où les gens se reportaient, tellement le son était fort. Et notamment, les marins qui naviguaient à 64 km de là ont vu leur tympan éclater. c'est assez trash quand même, c'est assez horrible, sous l'effet de ce son, qui a donc été évalué à 310 décibels, comme on l'a dit tout à l'heure, en recoupant en fait énormément d'observations, de distance où il a été entendu, etc. Et on considère d'ailleurs qu'à 160 km, il atteignait encore 180 décibels. Et donc si vous faites un parallèle avec effectivement, on considère, il me semble que le son commence à faire mal quand on l'entend, je crois, à autour de 150 décibels. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de si vous voulez comparer à des choses que vous avez peut-être entendues déjà. Et en fait, évidemment, on n'a pas eu du son, on a eu aussi des retombées de cendres chaudes, puisque quand le volcan a explosé, on a eu énormément de cendres chaudes qui ont été projetées dans l'atmosphère. On considère que ça a pu aller jusqu'à 80 km de haut. Et évidemment, lorsque ces cendres sont retombées, elles ont provoqué la mort de milliers de personnes, puisque des cendres chaudes qui retombent partout, évidemment, ça va provoquer énormément de dégâts. Et on considère d'ailleurs que la puissance de l'explosion a été telle qu'elle représente en fait 13 000, en tout cas plus de 10 000 bombes d'Hiroshima. Ça vous donne un peu un point de comparaison avec quelque chose qui a été abondamment relaté dans l'histoire. Et donc je parlais justement des ondes de choc encore. On considère qu'elles ont fait le tour du globe trois fois et demi pour être précis, et qu'elles ont perturbé les oscillations des eaux dans la Manche et le golfe de Gascogne à 18 000 km de là. Qu'on pouvait encore détecter les perturbations via les barographes, donc là pour le coup on a des mesures précises, jusqu'à 5 jours plus tard. Donc là ça vous donne... Barographe, c'est quoi finalement ? Tu vois ton baromètre qui mesure la pression atmosphérique et tout ça. D'accord. On a des barographes. Et donc c'est quelque chose qui... Ouais, okay. Voilà. Et comment ça se fait que les grosses bombes qui ont été testées pendant la guerre froide, là, les trucs bien plus puissants que ça, comment ça se fait qu'ils faisaient plusieurs millions de tonnes de... Comment ça se fait que ça n'a pas fait des sons plus importants encore ? Sûr que c'est plus puissant ? Ouais, alors ça, je saurais pas te dire la puissance de ces bombes. Je pense que c'est aussi lié à comment tu les fais exploser, tout simplement. Là, t'exploses avec une décharge de gaz qui est assez énorme, tu vois, dans l'air aussi. Je sais pas les bombes testées pendant la guerre froide. J'ai une réponse. Par exemple, il y a eu une explosion il y a 26 000 ans qui est estimée à 100 000 fois Hiroshima. D'accord. Voilà. Mais il y a 26 000 ans, donc on n'a pas nécessairement. Ah ouais, donc là, la plus grosse explosion, elle est à 1500 fois Hiroshima, la Tsar Bomba. Donc on est quand même assez loin quand même. On est quand même assez loin, voilà. Donc ça fait quand même. Effectivement, t'as dit combien pour le volcan, pour le Krakatoa ? 13 000. 13 000, ouais, donc on a un facteur 10 en dessous quand même. Donc on a un facteur 10 qui n'a jamais explosé.
Donc ouais, du coup, mais du coup c'est vachement intéressant, je trouve, les données que t'apportes en plus là, parce que ça montre aussi à quel point en fait on reste quand même un facteur 10 au-dessus des bombes les plus puissantes qu'on a faites, je pense, ou qu'on a testées en tout cas, parce que je pense pas qu'on ait testé beaucoup plus depuis. Et donc, bref, je parlais de tout ça qui était détectable assez loin, et en fait, on a pas non plus seulement eu ces histoires d'ondes, etc. On a eu évidemment des séismes associés au volcanisme. On a toujours des séismes qui sont associés au volcanisme. J'y reviendrai un peu plus tard. Pour différentes raisons, vous avez du magma qui monte et donc forcément, on va avoir des explosions, on va avoir des tremblements, des cassures dans la roche, etc. Évidemment, qui dit séisme, explosion, dit, je pense, si vous êtes dans la mer, vous pouvez trouver tsunami. Et en fait, lié à l'explosion du Krakatoa, on a eu des tsunamis absolument énormes qui ont déferlé sur les côtes de Java et Sumatra et qui ont tout détruit et emporté. Alors bon, vous allez me dire, Sumatra, décidément, c'est pas beaucoup de chance, mais bon, c'est lié aussi à l'activité géologique de la région, évidemment. Dans certaines villes, des gens ont enregistré des vagues de 46 mètres de haut qui ont complètement oblitéré des villes entières. On a eu aussi là aussi, souvenez-vous du tsunami de Sumatra, c'était en 2003, je crois, avec l'eau qui montait très haut. Donc là, vous pouvez imaginer tout à fait le même genre de scénario complètement apocalyptique qui sont arrivés. Et on considère d'ailleurs que c'est ces tsunamis qui ont probablement fait le plus de victimes, puisque le bilan humain total s'élève à 36 417 morts. Alors là aussi, c'est un chiffre que j'ai retrouvé plusieurs fois, que je trouve qui est relativement précis. Je suis pas sûre, je pense qu'on peut imaginer, et pas mal de sources le disent aussi, qu'en fait on a eu plus de morts que ça, puisqu'on a probablement plein de gens qui n'ont pas été décomptés. Mais en fait, je vais finir quand même sur une autre observation avant de passer à une partie plus scientifique. Liée à ce volcan, cette explosion, en fait, elle a été, comme je l'ai dit, elle a perturbé, par exemple, ce qu'on a pu voir jusqu'en Europe, etc. Mais dans l'atmosphère, on a aussi, lié à cette explosion, eu des perturbations qui ont été visibles en Europe du Nord, aux États-Unis, à Hawaï, partout. Puisque, étant donné que quand le volcan explose, on va rejeter des cendres, mais on va aussi rejeter des gaz dans l'atmosphère, et ça a créé des nuages noctulescents, que vous avez sûrement déjà vu d'ailleurs, puisque vous connaissez le tableau, le CRI, avec ces espèces de nuages de couleurs là, dans tous les sens. Eh bien, ce tableau, le CRI, en fait, a été dessiné 10 ans après l'éruption du Krakatoa, mais en fait, se base sur les observations qui ont été faites en Europe à l'époque, du ciel qui était rougeoyant comme ça, avec des nuages particuliers, qui ont en fait été vus partout. Et comme je l'ai dit, donc on a eu un bilan cette explosion a touché la Terre entière finalement, on a pu l'avoir à plusieurs endroits du globe, et le bilan humain, comme je l'ai dit, a été colossal. Je vais finir cette partie un peu historique et observationnelle sur un détail assez morbide, qui est que des témoins ont rapporté avoir vu des squelettes qui flottaient sur des radeaux de pierre ponce sur la mer jusqu'à un an après l'explosion. Ça vous donne aussi une idée de la quantité de matière qui restait sur les océans et partout. Tu as dit sur des radeaux de pierre ponce. Oui, en fait, on appelle ça des radeaux de pierre ponce parce qu'on avait des bouts de pierre ponce qui flottaient dans l'océan, en fait, à ce moment-là. Et donc voilà, les gens, y avait des. Ah, parce que moi, je pensais qu'ils avaient utilisé la pierre ponce comme radeau pour fuir. Non, je crois pas. D'accord. Okay. je me faisais déjà un truc, un scénario à la Titanic, tu sais, où Rose aurait pas balancé le pauvre Jack dans l'eau, voilà, un truc comme ça. Alors maintenant que tu dis ça, il me semble qu'il y a des gens qui ont calculé d'un point de vue physique si Léo et Rose pouvaient tenir sur la porte ou pas. Oui, oui, et c'est faisable. Et c'est faisable. Elle l'a vraiment tué, cette salope. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Ça m'intrigue, cette histoire de radeaux de pierre ponce, mais je regarde en ce moment sur Internet et apparemment, oui, il y a des radeaux de pierre ponce qui flottent dans le Pacifique. Effectivement, ouais. Des agglomérats. Ouais, ouais. Alors, je vais faire un autre parallèle avec un truc assez morbide. Ça peut faire penser aussi au crash d'avion.
Notamment, vous avez sans doute entendu parler au crash du MH370, dont on n'a toujours pas retrouvé l'épave d'ailleurs. Et le crash de cet avion, et je te vois sourire, Léa, et je sais pourquoi. En fait, on a retrouvé des morceaux d'ailes jusqu'à et des morceaux de carlingue et d'autres parties de l'avion jusqu'à Madagascar et en Afrique, parce que ces morceaux ont flotté en fait dans l'océan Indien tout ce temps-là. Donc en fait là c'est finalement un peu la même idée, quoi. C'est qu'on a quelque chose qui se produit et puis ce qui se retrouve sur la mer flotte dans l'océan et un peu partout voilà, dans la mer jusqu'à après s'échouer sur d'autres côtes ailleurs très loin. Voilà. Bon, pour l'instant on a surtout parlé d'observation. Finalement, c'est important aussi, ces observations et ces détails historiques, parce que la science, ça se base là-dessus au départ, sur des observations. Et ces observations nous montrent plein de choses sur le volcan. La première, c'est qu'on a eu déjà une activité sismique associée à ce type de volcan, ce qui peut nous renseigner sur la géologie et sur, finalement, les origines de ça. Et la deuxième observation, c'est qu'on a aussi un édifice volcanique qui se forme par accumulation de cendres petit à petit pour construire un édifice volcanique. Et ça aussi, ça va nous permettre d'en déduire des choses d'un point de vue scientifique. Et ensuite, comme vous pouvez le constater, l'éruption, elle a commencé le 20 mai 1883, elle s'est finie à l'automne. Donc on a une éruption qui dure plusieurs jours, voire plusieurs mois. Donc on voit aussi qu'une éruption volcanique, c'est pas nécessairement juste le boom et tout qui explose. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Et de tout ça, on va pouvoir en déduire des choses sur les volcans. Alors, on a dit que le Krakatoa était à Sumatra. Où est-ce qu'on trouve des volcans sur Terre en général? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans les failles entre les plaques tectoniques. Ouais. Je vais refaire la blague, mais dans mes toilettes encore, pardon. Ouais, effectivement. Alors pas à 100%. On en parlera peut-être lors d'une prochaine chronique. On a aussi des volcans en dehors de la frontière des plaques tectoniques, mais une bonne partie en fait de l'activité volcanique observée sur Terre a lieu à la limite des plaques. Et pour le Krakatoa, c'est exactement le cas. On se retrouve à la limite entre les plaques australiennes et eurasiennes. En fait, on est au niveau d'une zone de subduction. C'est ce qui se passe en fait lorsque une plaque passe sous l'autre, et c'est ce qui se passe ici. On a la plaque australienne qui plonge sous la plaque eurasienne pour s'enfoncer dans le manteau terrestre. Alors vous allez me dire, ok, c'est cool, mais pourquoi est-ce qu'on a un volcan à cet endroit-là? Ben en fait parce que lorsque la plaque australienne ici s'enfonce dans le manteau terrestre, elle est froide et elle est hydratée. Et en fait, le fait d'être très froide, vieille et hydratée va faire qu'elle va pénétrer dans un manteau qui est plus chaud, dans des conditions de pression et de température qui sont différentes. Et du coup, l'eau qui est contenue dans les minéraux de cette plaque qui est hydratée, les minéraux qui sont hydratés vont devenir complètement instables et se déshydrater. Et l'eau, en fait, va percoler vers le manteau qui est ici plus chaud et pas hydraté, situé juste au-dessus. Ça va déplacer les équilibres thermodynamiques et de stabilité des roches, et donc faire fondre localement la roche du manteau. Et donc, vous pouvez bien imaginer que si vous faites fondre une roche, vous allez avoir quoi? Pardon, je faisais des blagues avec Eléa sur les toilettes. Pas si sûr tu que... fais fondre la roche, qu'est-ce que tu vas produire? Du magma. Du magma, tout à fait. Et donc, la fusion des roches qu'on liées justement au plongement de la plaque et à la déshydratation de celle-ci, vont faire fondre les roches qui se trouvent juste au-dessus, et donc créer du magma. C'est comme ça que va naître en fait le volcan. Et en fait, c'est le cas de la plupart des volcans de la ceinture de feu du Pacifique, dont le Krakatoa fait partie d'ailleurs, qui sont produits en fait de cette façon. La roche fond, le magma est produit et le magma va remonter à la surface pour créer le volcan ici, le Krakatoa. Et les séismes alors? Bah en fait les séismes, on en a lorsque la plaque plonge sous l'autre, on va avoir des cassures, on va avoir des séismes, et ensuite lorsque le magma percole et monte dans la roche, on va aussi avoir des séismes parce qu'on va finalement perturber un peu tout l'équilibre des roches, avoir des cassures, etc. Et donc ces séismes évidemment, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur Voyage au centre de la Terre, ils peuvent être enregistrés un peu partout sur le globe. L'autre observation, comme je l'ai dit, c'est qu'on a un volcan qui explose. Et j'ai pas parlé de lave ici, j'ai parlé surtout de cendres, de nuées et d'explosions.
Et ça, c'est un type de volcanisme qui est particulier et notamment assez caractéristique des zones de subduction. Pourquoi ? Parce que cette façon de produire du magma, de cette façon, les roches qui sont la source du magma, etc., font que lors des zones de subduction, on a généralement une lave qui est très très visqueuse parce qu'elle est très riche en silice. C'est à cause de ça qu'on a une lave qui va, du coup, imagine une espèce de pâte. Elle va remonter, elle va former des bouchons, elle va pas s'écouler comme vous pouvez avoir en tête les éruptions de l'Etna par exemple. Et à cause de ça, la lave, quand elle s'écoule, on forme un bouchon. Et là aussi, Pierre, pour revenir à ta métaphore, on a un bouchon qui se forme de lave extrêmement visqueuse. Et comme la fusion des roches et la production de magma... Ça me fait plaisir. Ouais, quoi ? Je suis ravi. Ouais, je sais pas, voilà. Tu formes. Alors, pour reprendre ta métaphore aussi, finalement, lorsqu'on fait fondre des roches et lorsqu'on produit de la lave, on va avoir un dégagement de beaucoup de gaz, ce qui marche aussi pour ta métaphore. Et donc, on va avoir à la fois dégagement de tous ces gaz, mais aussi un bouchon qui va se former parce que le magma est très visqueux. Et vous imaginez évidemment la conséquence que ça peut avoir lorsque on a une accumulation des gaz qui peuvent pas sortir parce que on a une accumulation de lave visqueuse dessus. Le volcan au bout d'un moment va littéralement exploser, provoquant notamment des séismes, des ondes de choc, des bruits effroyables, les panaches de fumée qu'on voit, et peu de lave finalement, puisque si cette lave est très visqueuse et qu'elle se solidifie, et ben finalement on va avoir retombé de nuées, de roches, de panaches, et non pas de lave effusive comme on peut en avoir dans d'autres éruptions volcaniques dont on parlera une autre fois. Donc finalement, ici, on peut voir qu'avec toutes les observations qu'on a eues, on peut expliquer ce qui s'est passé, la présence de cette lave visqueuse, et etc. Maintenant, là, j'ai simplifié évidemment énormément, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, les géologues peuvent décrire avec énormément de détails ce qui se passe. Pour l'éruption de 1883 du Krakatoa, on a sans doute eu intervention peut-être d'eau dans la chambre magmatique qui a pu expliquer et... Je fais tomber mon micro, qui a pu expliquer que cette explosion a été si violente, mais énormément de les raisons sont toujours discutées en fait. On a plusieurs hypothèses qui sont pas forcément mutuellement exclusives, qui peuvent expliquer pourquoi l'éruption a été aussi violente. Et ça vous montre aussi que même pour une explosion et même pour une éruption, un volcan, on a comme toujours pas mal de d'observations qui peuvent se contredire et on n'est pas forcément toujours d'accord. Et enfin, je vais revenir aussi sur les gaz et les panaches de l'atmosphère, les choses qu'on a vues très très loin du site de l'éruption, parce que tout ça a eu des conséquences climatiques. Parce qu'évidemment, vous pouvez vous imaginer que si on voit des couchers de soleil magnifiques, de la lune rougeoyante, si on voit des nuages un peu iridescents, ça veut dire qu'en fait, l'éruption, elle a bouleversé la Terre en fait en entier, et aussi a modifié énormément de choses du point de vue du climat. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On considère aujourd'hui que le panache dans l'atmosphère a répandu suffisamment de cendres et de gaz pour abaisser la température mondiale de 0,25 degrés Celsius, ce qui en fait est énorme. On a des amplitudes allant jusqu'à 1 degré à certains endroits, même un peu plus d'un degré, 1,3. Et ça, on considère que ça a duré jusqu'en 1888 pour revenir à la normale. Donc de 3 à 5 ans, enfin, ça vous montre un peu l'impact qu'une éruption peut avoir sur plusieurs années derrière. On considère aussi que les gaz, notamment le dioxyde de soufre dans la stratosphère, est à l'origine de pluies acides qui sont retombées un peu partout, et que ça, en addition aux particules de roche rejetées dans l'atmosphère, est à l'origine de tous les couchers de soleil qu'on a vus flamboyants et qui n'ont pas seulement duré quelques mois, mais qui ont duré pendant presque 3 ans, qui ont inspiré le CRI, comme je l'ai dit, mais aussi les chromolithographies de William Ashcroft, et donc plein de d'artistes. Et d'ailleurs, fun fact, les lueurs rougeoyantes qu'on voyait dans le ciel à ce moment-là à cause de ça, aux États-Unis, ont été prises pour des incendies. Donc on avait des gens qui appelaient les firefighters pour pensant qu'on avait des incendies un peu partout. Et un autre fun fact, mais plus scientifique cette fois-ci, c'est suite à l'éruption de 1883 qu'on a décrit les anneaux de Bishop. C'est les halos qu'on voit autour du soleil ou de la lune, qui sont un peu bleus à l'intérieur et un peu rougeâtres à l'extérieur. Ça se voit vachement bien à la pleine lune, en fait. Quand on regarde, on a un espèce de halo autour.
Et ça, en fait, c'était particulièrement ça, le fait d'avoir des particules dans l'atmosphère et les éruptions volcaniques, ça rendait ce phénomène particulièrement visible, à tel point qu'il a été décrit par le révérend Bishop en 1883, pardon, depuis Hawaï, suite à l'éruption. Et donc, bon, voilà, c'est des choses qu'on peut voir maintenant un peu tout le temps, mais effectivement, quand on a des choses dans l'atmosphère, on le voit encore mieux. Et pourquoi je vous parlais de ça? Bah parce que voilà, on voit que suite à ça, on a fait pas mal de découvertes, et aussi que finalement, avec une seule éruption volcanique très importante, on peut perturber durablement le climat de la Terre. J'ai envie de vous dire, rappelez-vous du volcan islandais qui s'est produit il y a quelques années, où T'as cuisiné, Johan? Tu dois dire le nom du volcan, excuse-moi. Hein. Et il y a c'est de juste quelque chose ça. C'était quelque chose comme ça. Note que j'ai subtilement essayé d'éviter ça. Le volcan avait rejeté suffisamment de particules pour arrêter le trafic aérien, donc on peut imaginer, vous allez me dire, le virus aussi, parallèle. Mais on peut imaginer que si on avait une autre éruption telle que celle du Krakatoa, on aurait évidemment beaucoup de problèmes, surtout si ça reste dans l'atmosphère aussi longtemps. Et vous tu allez parles dire... bien de l'Eyjafjallajökull et Eyjafjallajökull. Tout à fait. Celui-là, tout quoi. Celui-là. Eyjafjallajökull. Elle parlait des anneaux de Bishop, surtout. Exactement, je parlais de ça. Mais merci, Johan, de m'aider à je sais pas, parfaire mon islandais. On recrute des gens. Et maintenant, en fait, vous allez me dire, maintenant, qu'est-ce qu'on risque avec le Krakatoa, puisqu'il y a une éruption en ce moment? On peut potentiellement risquer la même chose. Hein. Il faut savoir quand même que les volcans, les éruptions peuvent se suivre et ne pas toujours se ressembler, donc ça peut un peu changer dans le temps en fonction du matériel qu'ils font, etc. La topographie de l'île est maintenant très, très, du groupe d'îles, en fait, est très différente maintenant que le volcan a explosé par rapport à 1883. En fait, l'île où se trouvait le Krakatoa, la principale, a presque entièrement disparu suite à ces éruptions. Ensuite, en 1927, on en a eu une autre qui a donné à une nouvelle île qui s'appelle l'Enfant du Krakatoa, Anna Krakatoa, qui était d'abord toute petite, qui atteignait 300 mètres en 1999, qui a été en partie détruite à nouveau par l'éruption de 2018, qui a d'ailleurs provoqué un tsunami. Et aujourd'hui, elle fait autour de 110 mètres, mais bon, là encore, ça peut changer, puisque le volcan est toujours actif, puisqu'on est encore en éruption, etc. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Une nouvelle éruption, on peut de nouveau avoir quelque chose comme ça, c'est un des volcans les plus actifs sur Terre aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'il est extrêmement monitoré de nos jours, donc on peut penser que, voilà, en tout cas pour les populations qui sont autour, on aura des évacuations qui seront mises en place. C'est ce qui se produit pour plein d'autres volcans, hein, ailleurs sur Terre, notamment... le Villarrica au Chili. Et maintenant, voilà, si on a une éruption qui perturbe la Terre autant, évidemment, on aura des conséquences mondiales. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment avec la crise qu'on traverse. Hein, on ne peut pas nécessairement prévoir et on pourra gérer en fonction de ce qui se passera. Et sur ce, je termine cette chronique assez explosive, et si ça vous a plu, on pourra en faire d'autres sur d'autres volcans qui sont très différents et qui nous disent d'autres choses sur la Terre. Merci Alexa pour ce dossier. Je voulais te poser des questions justement sur la prévention, tout ça, mais en fait on peut pas vraiment savoir très en avance s'il va y avoir une éruption très très grave ou pas, si. Alors ça dépend des volcans, ça. En fait, le truc c'est qu'en général avant t'as toujours un peu d'activité sismique, donc quand l'activité sismique elle reprend, en général, on commence à se dire qu'il faut monitorer ça plus ou moins. J'avais discuté avec un ami qui est volcanologue, qui disait que en fait, globalement, on prévoit quand même, mais parfois, ça peut arriver aussi qu'on ait du mal à prévoir vraiment la force d'une éruption. C'est dur de prévoir à quel point ça va être important, en fait. Mais on a souvent des signes avant-coureurs que quelque chose se prépare. Par exemple, je parlais du Chili, je parlerai peut-être une autre fois du Villarrica, sur lequel je suis allée, et d'ailleurs en ski de rando, et qui a explosé 6 mois après. Quand j'y étais 6 mois avant, il n'y avait pas vraiment de signe avant-coureur, on voyait des fumerolles au sommet, et puis d'un coup, l'activité sismique s'est mise en place, ils ont évacué les gens, et une semaine après,
qu'on a eu, enfin l'éruption s'est produite, donc voilà. Il y a des signes avant-coureurs quand même, et notamment au niveau de l'activité sismique, c'est très monitoré. Ok. Bah, du coup, et là aussi, ça dépend du type de volcan. Ouais. Pardon ? Et là aussi, je disais, ça dépend du type de volcan, en fait. Tu peux avoir, dans les zones de subduction, ouais, tu vas avoir parfois plus de séismes qu'ailleurs. Enfin, ça dépend vraiment. Il n'y a pas une histoire entre Haroun Taziev et Alekre dans les années 80, là, où il y en avait un qui disait que ça allait péter et l'autre non ? Ah, ça, je ne saurais pas te dire. C'est possible. Ok. Bah, du coup, on reparlera probablement de tout ça dans les prochaines chroniques sur les volcans, vu que tu comptes en faire une série, si j'ai bien compris. Bah, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, effectivement. Bon, là, effectivement. Les volcans, il n'y a que ça qui permet de un petit peu réhabiliter la géologie. Donc, bon. T'as dit quoi ? J'ai pas entendu. Autant capitaliser. Je disais que les volcans, c'est à peu près la seule chose qui peut réhabiliter la géologie. Donc, autant. Hein. Non, il y a autant la géologie faire. Martienne aussi, quand même, il faut le dire. Je vais te faire aimer la géologie. Bof, hein. Je vais te faire rêver avec la géologie. Les cailloux. Oui, bien sûr. Bon, on va pas lancer un débat de domaine scientifique ce soir. Hein, lécher des radeaux de bière ponce. De bière ponce. Très bien. Eh bien, du coup, sans transition, merci Alexa pour cette chronique. Je vais passer la parole à Cléora qui nous a préparé une petite chronique sur. Je vais pas spoiler. Je te laisse la parole. Ouais. Bah moi, ça sera sur Lego. Donc quelque chose de totalement autre chose. Je vais parler quelque chose de bien moins explosif. Hein. Mais si vous trouvez des analogies entre volcanologie et psychologie, hein, je vous en prie, n'hésitez pas. Alors pour clarifier tout de suite, quand tu parles de Lego, tu parles pas du jouet. Non. D'accord. L'E-G-O. Parfait. Après, je vais parler de puzzle si tu veux, mais. Ah. Arrête de lire dans mes pensées, Topo. Et en fait, j'ai envie de dire, je pense que c'est pas forcément moins explosif, Lego. D'accord. Oh. Ouais. Oh. C'est vrai qu'après, entre volcan et ego, il y a peut-être de quoi. Donc, ouais, donc plus terre à terre et moins explosif. En ces temps de retour en nos lieux de travail habituels, on retrouve. Donc, le lieu de travail, et on peut retrouver ce fameux collègue qui a un gros melon et qui se revendique toutes les bonnes actions. Je ne sais pas si vous en connaissez, vous. C'est un individu qui dit tout communément à un énorme ego. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement quand on dit ça ? Comme. Pardon. Donc, pareil, dans l'actualité, quand un vieux monsieur en blouse blanche se revendique grand savant, sachant de tout et énonçant ses vérités sans se remettre en question, on parle d'un ego surdimensionné. Ou encore, idem, les petites et grandes embrouilles, que ce soit sur Twitter, ou dans la vie de tous les jours, et à n'importe quelle heure, on parle des fois de guerre d'ego. Mais qu'est-ce qu'on entend réellement par ce mot étrange d'ego ? Y a-t-il une science de l'ego ? Et qu'en disent les sciences humaines à ce sujet ? Alors je vous invite on va débroussailler ensemble le sujet, et ce, en deux étapes. Alors première étape, partons de nos préjugés et de ce qu'on se représente sans se documenter. Je viens de vous donner quelques exemples de contexte durant lesquels nous pourrions évoquer les termes d'ego, mais cette même racine de trois petites lettres, donc E-G-O, ego, est aussi retrouvée chez l'égoïste ou l'égocentrique. Si je suis égoïste, je ne pense qu'à moi-même, quitte à oublier les autres, et si je suis égocentrique, je rapporte tout à moi-même, quitte à mépriser les autres. Des termes donc très proches des situations que nous avons évoquées plus tôt. On pourrait donc supposer que quand on parle d'ego, on évoque l'individu et ici, plus particulièrement, la représentation plus ou moins démesurée que se porte l'individu à soi-même. En clair, ce serait l'estime de soi. Vous avez une définition à peu près similaire, vous, de l'ego ? Bah ça, disons que j'aurais jamais formulé ça dans ces termes-là, mais oui, ça ressemble à peu près à ce qu'on se dit quand on évoque l'ego, quoi. Ouais, dans la vie quotidienne. Après, plus subtilement, on retrouve aussi les trois petites lettres, donc EGO, dans l'expression alter ego aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, par exemple, mon alter ego est quelqu'un d'autre en qui je peux avoir pleinement confiance, comme si c'était un prolongement de moi-même, tel un meilleur ami en qui je pourrais me laisser guider les yeux fermés. Par cette expression, pour le coup, donc on peut plus parler d'estime de soi, mais cela reste de l'ordre de la représentation de soi et même de la conscience de soi, comme si l'ami très proche pouvait carrément être une extension de soi-même. Alors, on essaie de plus précis de plus en plus dans la définition de l'ego. Et encore, on peut aller plus loin. L'ego peut être défini comme une petite partie de soi. C'est-à-dire que l'ego ne serait plus l'individu dans son entièreté, mais un petit élément au sein de l'individu, telle une pièce du puzzle. Comme si c'était un organe, comme le foie, l'estomac ou le poumon, mais un organe psychique. On retrouve notamment cette manière d'aborder l'ego dans des courants psychanalytiques et plus globalement philosophiques tentant de compartimenter la psyché par des processus théorisés. Par exemple, ego serait le moi, faisant partie du self,
qui serait le soi. Autre exemple, pour la psychanalyse freudienne, en anglais, ego fait référence au moi, aux côtés des deux autres instances psychiques que sont le ça et le surmoi. Bon, bref. Et dans ce flou artistique, donc, cette même manière d'aborder l'ego est encore abordée autre part, tel un organe psychique, dans divers courants et disciplines, dans le développement personnel, la spiritualité et aussi les pseudosciences. Donc, dans cette soupe de doctrine, l'ego est mangé à toutes les sauces. La plupart du temps, il est l'ennemi de l'éveil spirituel. L'ego serait cette petite voix dans notre tête qui nous empêche d'évoluer. L'ego serait synonyme de la réflexion mentale qui, par exemple, nous empêcherait de bien percevoir nos perceptions subtiles et d'atteindre une certaine pleine conscience. Atteindre une pleine conscience, c'est-à-dire de ne plus être qu'une pièce du puzzle, en fait, dans son corps, mais d'atteindre une conscience du puzzle entier, voire même de l'univers entier. Ça, c'est des visions plutôt romantiques et spirituelles, de l'ego, en tout cas. Juste quand on dit la vision spirituelle et tout, donc il y a vraiment des courants de, je sais pas comment on peut appeler ça, qui considèrent que l'ego est un obstacle à la spiritualité, c'est ça? Exact, oui. Il y a beaucoup de courants spirituels, plutôt New Age d'ailleurs, qui disent que l'ego c'est un obstacle à la pleine conscience, au bien-être, etc. Il ne faudrait plus écouter sa petite voix ou la réflexion mentale et se fier juste à ses intuitions. Est-ce que Yoda ne dit pas ça non plus? Avoir la force. Dans l'ego, tu ne croiras pas. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être. Baby Yoda, non. Ça, c'est sûr, il dirait. Donc, donc c'est plutôt une vision poétique et romantique des choses. Pourquoi pas, hein. Mais après, dans tout ça, de tout ce que je viens d'évoquer, on a donc vu plusieurs définitions de l'ego. Et donc, ça a un gros problème, ça. En tournant autour de son emploi, dans des expressions et situations, il peut évoquer tout et n'importe quoi. Entre le moi, donc l'instance psychique, l'estime de soi, la conscience de soi, et même la réflexion mentale. Voilà. Donc, l'ego, quand on l'emploie dans la vie courante, ça peut être tout ça. Et c'est d'autant plus flou, encore sur Internet. Donc, deuxième étape, ce serait de se documenter, donc réellement, et non pas la va-vite sur la première page Google. Hein. Donc mon premier réflexe, ça a été de reprendre tous mes cours de psychologie. Donc je n'ai eu aucun souvenir, moi par exemple, juste comme ça, reprenant le sujet, j'avais aucun souvenir d'avoir appris à bien saisir ce que c'est l'ego. Mais peut-être que j'avais juste, que je perdais la mémoire en fait. Alors j'ai repris tous mes cours universitaires. Comme ils sont numérisés, c'était assez facile à faire hein, de trouver un mot parmi des centaines de pages. Mais dans tout ça, même parmi les parties historiques et psychanalytiques, le terme est absent de toutes mes notes. Alors je me suis retrouvé, bon, ok. Donc l'ego, pareil, donc a priori, un terme populaire ou philosophique, mais pas un terme scientifiquement bien défini. Encore une fois, ce que je dis là est, semble-t-il, uniquement vrai dans le monde francophone. En effet, quand je cherche, encore une nouvelle fois, dans la littérature scientifique francophone, aucun article ou chapitre scientifique ne ressort, sauf de la philosophie qui explique un concept de l'ego, mais à chaque fois, sa définition propre. En fait, encore une fois, le mot ego est trop vague et peut évoquer à la fois l'estime de soi, la conscience de soi ou même la réflexion mentale. Toutes ces sous-parties sont en revanche scientifiquement étudiées. Si vous voulez, c'est comme si on parlait de l'air pour définir ce qu'on respire, alors qu'il serait plus judicieux de parler d'atomes entre carbone, azote, hydrogène et oxygène. C'est la première fois que je vois ça comme ça. Donc dans ces trois termes plus précis, donc l'estime de soi, conscience de soi et réflexion mentale, je vous propose de mettre de côté la conscience de soi, qui est tout un champ transdisciplinaire à part entière, parmi les neurosciences cognitives entre biologie, psychologie et philosophie. Donc un sujet haut fort intéressant, hein, on est bien d'accord, mais qui mériterait un invité ou une invitée plus expérimentée ou un dossier complet. Mettons également de côté la réflexion mentale, qui est encore un terme très vague, hein, et de l'ordre de la psychologie cognitive, si ça vous intéresse, et ne fait pas majoritairement d'ailleurs référence à l'ego dans la vie quotidienne. Hein. On parle plus de l'estime de soi. Quand on dit que j'ai un ego surdimensionné, ce n'est pas que j'ai une réflexion mentale surdimensionnée, mais on parle davantage d'estime de soi. On va alors se pencher sur l'estime de soi, qui est plus le critère derrière l'ego. Donc, est-ce qu'il existe, par exemple, deux types de personnes, celles qui ont une estime de soi en béton et celles qui ont une estime de soi en carton? Alors, juste avant, pour vraiment clarifier et mettre de côté réflexion mentale, qu'est-ce que toi, tu mets comme définition de réflexion mentale? Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment saisi les subtilités. Je comprends que c'est pas l'estime de soi, ça c'est facile de l'écarter, mais du coup c'est quoi la spécificité de la réflexion mentale? La réflexion mentale c'est tout ce qui est processus cognitif, donc c'est tout ce qui est apercevoir, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est apprentissage et tout ce qui est langage, etc. Est-ce que tu peux mettre cognition comme mot à la place ou? Ouais, okay. Ah, ouais, okay, carrément. Nickel. Cool.
j'ai compris. Donc la conscience de soi, c'est le fait juste d'avoir conscience que t'existes et que t'es là. La réflexion mentale, c'est tout ce que tu peux faire avec ton cerveau et ta réflexion et ta cognition en général. Et l'estime de soi, tu vas expliquer ce que c'est. Mais alors, ouais. Ma question, pour vraiment te faire chier, hein. Ouais. Est-ce que l'estime de soi et la conscience de soi, c'est pas une conséquence de la cognition? Ou est-ce que c'est des choses qui sont séparées? On peut dire que oui, ce sont une conséquence de la cognition. Ok. D'accord, ok, nickel. Et pour répondre à ta question, ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont une estime en béton et d'autres qui ont une estime en carton. Ouais. Pour définir ce que c'est l'estime de soi, on y va. J'ai refait la même chose en cherchant l'expression « estime de soi » dans mes cours de psychologie. Et là, tout à coup, c'est Noël dans mes fichiers. Il clignote de partout. J'ai passé même pas un cours sans parler de l'estime de soi. Donc l'estime de soi est une caractéristique psychologique très, très, très étudiée. Il y a même des tests normés et standardisés pour précisément l'évaluer. Le test le plus connu étant l'échelle de Rosenberg, qui l'évalue en simplement 10 items. Par exemple, il y a l'affirmation « parfois, je me sens vraiment utile ». Et la personne répond elle-même sur une échelle de 1 à 4, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Alors on pourrait se demander si l'utilité de telles échelles, mais si vous voulez par exemple améliorer le bien-être des personnes par une méthode quelconque, évaluer l'estime de soi est un bon critère. Et inversement, avoir une faible estime de soi peut être pris comme un symptôme que l'on retrouve dans de nombreux troubles mentaux. Par exemple, quelqu'un qui souffre de dépression a rarement la grosse tête. Côté définition, communément, l'estime de soi serait définie par la manière dont on se considère, en gros. C'est-à-dire le fait de se juger soi-même, ou le fait de s'auto-évaluer en tant qu'individu. Donc du coup, oui, c'est bien une conséquence de la cognition, parce qu'il faut d'abord avoir un cerveau pour se reconnaître soi-même. Donc bien que ce soit une définition plus précise de l'ego, l'estime de soi reste malgré tout un terme vague et multidimensionnel. Par exemple, si je suis valorisé en société et que cela me plaît, je peux avoir une bonne estime de moi-même sur le plan social, et en même temps avoir une mauvaise estime de moi-même sur mon aspect physique, par exemple, où je me trouve moche et suis difficilement à l'aise à la réception de compliments sur mon physique. De cet aspect multidimensionnel, aucun consensus scientifique n'a encore été établi sur sa réelle définition et pour savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'estime de soi et qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Ouais, j'allais te poser une question, moi, liée à ça, du coup, c'est est-ce que tu peux pas avoir des gens qui ont un ego surdimensionné, ça rejoint un peu ce que tu dis, pour justement compenser une faible estime de soi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est possible. C'est justement ça ma conclusion. Ah, merde. Ah bah bravo. Bien joué avec ça. Balayette. Donc ouais, donc je disais que l'estime de soi a un côté plutôt multidimensionnel, entre social, aspect physique, etc. Donc par exemple, c'est encore assez difficile à définir, comme la psychologie est une science très 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 moderne, on peut dire ça, parce que ça fait que même pas un siècle qu'elle existe, c'est encore difficile de trouver les bonnes définitions de tout ce qui est étudié en psychologie. Par exemple, certaines approches définissent l'estime de soi comme une construction sociale. Et en effet, si on s'auto-évalue soi-même, il faut bien s'évaluer par rapport à quelque chose. On s'évalue donc en se comparant aux autres. Pour citer Christophe André, le niveau d'estime de soi est très étroitement corrélé aux expériences subjectives d'approbation et de rejet par autrui. C'est-à-dire que l'estime de soi se construit sur le comportement et surtout le regard des autres. Donc au passage, Christophe André est un psychiatre très médiatisé, je ne sais pas si vous connaissez, pour qui le thème de l'estime de soi, c'est un peu son dada. Si le sujet vous intéresse, passez par ses interventions médiatiques et ses écrits, ce sera déjà un bel aperçu. Mais par pitié, ne prenez pas au pied de la lettre le premier livre ou la première vidéo YouTube autour du développement personnel qui vous passe sous les yeux. S'il vous plaît. Oh, mais je croyais que ça marchait. Donc, pour aller plus loin encore sur l'estime de soi, en le reprenant, Christophe Rosé, donc, l'estime de soi aurait plusieurs fonctions sur plusieurs aspects d'un individu, dont celle, en quelque sorte, d'agir en tant que système immunitaire psychique et de favoriser le bien-être. Car si on a une bonne estime de soi, on est moins sensible aux critiques négatives, en fait. Mais surtout, ce que je vais insister sur une des premières fonctions de l'estime de soi, une des premières fonctions de l'estime de soi dont j'aimerais rapidement souligner est la manière dont on s'engage dans l'action. Et sur son point-là, il est facile d'illustrer en fait les deux types d'individus caricaturaux décrits par la psychologie. Donc ceux qui ont une estime de soi en carton et ceux qui ont une estime de soi en béton. Donc c'est ce qu'on appelle en psychologie ceux qui ont une faible estime de soi et ceux qui ont une haute estime de soi, tout bêtement. Donc la personne qui a une faible estime de soi a davantage peur de l'échec et du regard des autres.
et elle a tendance à moins être dans l'action et continuellement dans le doute, en fait. Car si elle s'engage et que c'est l'échec en sortie, c'est la honte de sa vie. Et ce sera en plus de sa faute qu'elle n'aura pas pu atteindre la performance souhaitée. Le fait d'attribuer la faute à soi-même, la cause à soi-même, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'attribution causale interne. Si j'échoue à l'examen, c'est de ma faute. Je n'ai pas été performant. Si je me fais renverser par une voiture sur un passage piéton, c'est de ma faute, parce que je n'étais pas assez attentif. Voilà des exemples d'attribution causale interne. Et à l'inverse, donc, la personne qui a une haute estime de soi a davantage tendance à attribuer les causes des événements de manière externe. On parle alors, cette fois-ci, d'attribution causale externe. Si j'échoue l'examen, c'est de la faute de l'enseignant qui a donné une évaluation trop difficile, ou c'est la faute de la lumière du fond qui clignotait et me déconcentrait. Même chose si je me fais renverser par une voiture sur un passage piéton, c'est complètement la faute de l'automobiliste qui est en tort, donc, et n'avait qu'à faire attention. Voilà, donc ça c'est marrant, causale externe. Je connais beaucoup de ton premier exemple sur les enseignants qui donnent des examens beaucoup trop difficiles. Tu m'étonnes. Du coup, tu peux catégoriser tes élèves en deux camps, quoi. Ouais, les nuls et les bons. Donc du coup, quelqu'un qui a une haute estime de soi a donc tendance à plus persévérer et à croire en ses idées malgré les obstacles, parce qu'il aura moins d'attribution causale interne, en fait. Il se remet moins en question, en gros. C'est d'ailleurs une manière d'agir qui est plutôt bien valorisée dans nos sociétés actuelles. Hein. Je ne sais pas si vous y pensez. Donc, par ailleurs, serait-ce un avantage donc d'avoir une estime de soi, d'une haute estime de soi pour avancer dans la vie, hein, peut-être. Hein. Mais à l'extrême, quelqu'un qui a une très haute estime de soi persévérera coûte que coûte, quitte à être désagréable et ignorer les avis contraires. Un comportement qui, à l'inverse, peut être désavantageux pour la personne elle-même. Il y avait une question dans la chatroom de Nive qui demandait si l'estime de soi, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis, selon toi. Alors, selon moi, c'est quelque chose... J'aime bien ce genre de questions faciles comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a plusieurs approches, en fait. Là, j'ai pris une approche plutôt de construction sociale. Donc, c'est plus quelque chose d'acquis. C'est en fonction du regard de l'autre. D'accord. Mais il y aurait des facteurs qui pourraient prédisposer à avoir une mauvaise estime de soi ou une bonne estime de soi ? C'est le problème en psychologie, c'est qu'il y a tout qui existe. Non, mais est-ce qu'il y a ce genre de publi comme il peut y avoir pour d'autres trucs, genre le QI, tu vois, genre, ou l'altruisme. Ah, je suis sûr que ça existe. Hein. Trouver genre une tendance génétique, comme quoi avoir une faible estime de soi, il y a ce gène machin. Je suis sûr que ça existe. Il y a plein de choses qui existent de ce genre-là. Mais c'est un peu réducteur, parce qu'il y a quand même une grande part d'éducation même là-dedans. Très, très réducteur. Oui. C'est le problème de la psychologie, c'est qu'il faut prendre plein de causes en compte pour trouver juste une conséquence à la nouvelle. Alors oui, donc on va juste résumer. Hein. Donc pour résumer les deux caricatures des deux types de personnes, la personne ayant une haute estime de soi va de l'avant, connaît la certitude, pouvant être ferme sur ses propos même, et accepte les avis divergents tout en gardant sa propre position. À l'inverse, la personne ayant une faible estime de soi s'autocritique énormément, est hypersensible aux critiques, est plutôt perfectionniste, et est souvent indécise et noyée sous les doutes. Ça doit être reposant d'avoir une haute estime de soi. Ouais, je ne connais pas ça non plus. Ça peut pas nécessairement reposant pour les autres autour de soi. J'imagine. Donc du coup, pour terminer, pour revenir à nos expressions autour de l'ego, quand vous rencontrez votre collègue, par exemple, qui a un ego surdimensionné, sera-t-elle une personne à haute estime d'elle-même ? C'est possible. Mais juger ou évaluer par un simple comportement, donc encore une fois, reste uniquement une supposition très imprécise. Un même comportement peut être conséquent de plusieurs causes. Peut-être qu'au lieu d'avoir une haute estime d'elle-même, comme l'a dit Alexa, cette personne a au contraire une très faible estime d'elle-même et tente maladroitement de se faire entendre, en fait. Ou peut-être qu'elle juge mal les actions qui lui appartiennent ou non, et ce serait uniquement une erreur de jugement. Bref. Il reste encore et toujours très difficile de juger efficacement quelqu'un par la moindre observation d'un simple comportement. C'est tout le problème de la psychologie. Hein. Ce qu'on observe, ce sont principalement les comportements, mais ce qui sous-tend ces comportements peuvent être peuvent être tellement de choses. Hein. On a parlé de l'ADN, mais ça peut être tout ce qui est construction sociale, tous les a priori cognitifs, les biais, etc. Bienvenue dans les sciences humaines et les sciences complexes, là où les lois sont fort rares, là où cause et conséquence ne se relient pas par une simple flèche rectiligne, mais par tout un réseau, une toile d'araignée de complexité. Cool. C'est beau.
Du coup, pour résumer, même les gens qui ont l'air d'avoir un gros ego, peut-être que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux qui s'ignorent. C'est ça. Ou alors, ils ont juste une haute estime de soi, c'est tout. Ou alors, ils ont juste un gros ego. Ok, très bien. Un gros ego, c'est péjoratif quand on le dit à chaque fois comme ça. Oui, c'est vrai. Alors qu'une haute estime de soi, ça peut être, c'est plus neutre. C'est vrai. Changeons d'expression. Tu as raison. Ouais. Très bien. Bah... Sauf pour Trump. On va dire que c'est... Il a un gros ego et que c'est un gros... Enfin, voilà. Nif propose de parler PNL. Je pense que ça va un petit peu loin, là. Surtout pas. Bon, bah merci pour cette super chronique. Je pense qu'on parlait pas beaucoup de sciences humaines jusqu'à présent, et c'est bien que tu viennes nous faire de temps en temps des petites chroniques comme ça sur la personnalité humaine et des sciences complexes, comme tu les appelles. J'ai un truc sur les sciences complexes. Ouais, j'espère que t'en feras d'autres. Et du coup, je vais passer la parole à Topo, qui nous a ramené une chronique enregistrée avec Élise Kerner. Oui, et je dois vous annoncer que c'est la dernière de la saison, mais probablement la dernière tout court, parce qu'il n'y a plus d'épisodes appartenant au podcast qu'on traduit pour pouvoir le faire, le Genetics Unzipped. Et du coup, bon, pour compenser un tout petit peu, bah, ce sera un double épisode, puisque ce sera pas seulement une femme, mais deux femmes qui seront présentées à l'intérieur. Très bien. Katie Stevens, née dans le Vermont en 1861, avait une véritable passion pour la biologie. Sa carrière de chercheuse a cependant mis un certain temps avant de démarrer, en raison des difficultés que rencontraient les femmes pour étudier les sciences à la fin du 19e siècle. Avant d'obtenir un doctorat, elle a dû longuement économiser sur ses revenus d'enseignante. Enfin, à l'âge de 39 ans, la recherche devient son activité principale et elle choisit de s'intéresser à un nouveau domaine scientifique qui la fascine. La génétique et les chromosomes dont on découvrait tout juste l'existence. En 1905, elle fait elle-même une découverte importante d'après ses études portant sur les ovules et le sperme des coléoptères. Elle fait l'observation suivante. Alors que la plupart des paires de chromosomes sont identiques, l'une d'entre elles n'est pas assortie et contient deux chromosomes de tailles différentes. Elle appelle le plus grand des deux le chromosome X et le plus petit le chromosome Y. Elle remarque par ailleurs que les spermatozoïdes peuvent contenir soit un chromosome Y, soit un chromosome X, tandis que les ovules ne possèdent que des X. Face au même constat chez les mouches drosophiles, Netty conclut que la distinction mâle-femelle dépend de la combinaison de ces chromosomes inhabituels. XY pour les mâles, XX pour les femelles. Elle comprend que le sexe de la progéniture résulte du spermatozoïde impliqué lors de la fécondation, puisque son contenu chromosomique est variable et fournit un chromosome X ou Y. Il s'avère que pendant longtemps, cette découverte a été attribuée à Edmund Wilson, qui avait fait des observations similaires à peu près à la même époque, mais dont les conclusions étaient légèrement erronées. Comme il travaillait sur une espèce d'insecte chez laquelle le chromosome sexuel mâle est absent, il accordait un rôle prédominant à l'environnement dans la détermination génétique du sexe, contrairement à la théorie de Netty qui estimait que cela dépendait des chromosomes. Ayant publié son article avant Netty, morte peu de temps après d'un cancer du sein, c'est donc lui qui obtient une grande partie de la gloire liée à cette découverte majeure. Mais c'est bien la théorie de Netty sur les chromosomes sexuels qui s'est avérée valable pour un grand nombre d'espèces, quand bien même celles-ci ne possédaient pas toutes la même version du système X et Y. Les oiseaux ont par exemple des chromosomes W et Z, avec un système ZZ pour les mâles et ZW pour les femelles. Désormais, nous savons que ce même principe de détermination du sexe par les chromosomes X et Y, observé par Netty Stevens chez les coléoptères, est présent chez les mammifères, y compris les humains. Une telle découverte conduit à de très nombreuses questions, dont une première essentielle. Si les femelles ont deux chromosomes X, cela signifie-t-il qu'elles possèdent une double dose de tous les gènes portés par ce chromosome? La réponse est venue d'une autre femme, Mary Lyon, chercheuse à l'unité de génétique du MRC dans l'Oxfordshire. Au cours de ses expériences de mutagénèse sur l'impact des radiations sur les souris, Marie a remarqué une étrange souris mâle mutante au pelage inhabituellement tacheté. Elle l'a alors croisée avec des femelles au pelage normal dans l'espoir d'obtenir des bébés tachetés. Mais les résultats étaient bien plus surprenants. Les mâles porteurs de la mutation étaient morts pendant leur développement dans l'utérus, tandis que les survivants possédaient tous un pelage parfaitement blanc. Les femelles, quant à elles,
mais c'est tout avec un pelage tacheté, comme leur père. Mary Lyon a finalement compris les deux phénomènes sur lesquels reposaient ses résultats. D'une part, la mutation est portée par un chromosome X, et d'autre part, l'un des chromosomes X des femelles est inactivé, de façon aléatoire, dans les cellules souches très tôt au cours du développement. Ainsi, les mâles héritiers d'un chromosome X normal étaient en bonne santé et blancs, tandis que ceux ayant hérité d'un X porteur de mutation ne se développaient pas correctement. Pour les bébés femelles, la situation était très différente. En raison du phénomène d'inactivation d'un X sur deux, certaines de leurs cellules activaient le chromosome muté et d'autres le normal. Cette combinaison assurait à la fois l'apparition visible de la mutation et la survie de l'individu. Mary publie ses résultats en 1961 dans la revue Nature. Malgré l'accueil très mitigé de certains face à ses hypothèses, voire à ses compétences scientifiques, ses conclusions se sont avérées exactes. Le processus d'inactivation du chromosome X est même parfois mentionné sous le nom de lionisation en son honneur. Aujourd'hui, les mécanismes moléculaires liés à l'inactivation de l'X ont été cartographiés dans les moindres détails. Très tôt au cours du développement, lorsqu'un embryon n'est encore qu'une petite boule de cellules, chaque cellule vérifie le nombre de copies du chromosome X qu'elle contient. Si elle en possède deux, le cas des femelles, l'une d'elles est désactivée de manière aléatoire et laissée inactive dans un coin du noyau de la cellule. Ainsi, le fœtus femelle devient peu à peu une mosaïque de cellules dans lesquelles l'un ou l'autre de ses chromosomes X est inactif, mais conservant toujours une copie de sauvegarde. Cela peut expliquer qu'un certain nombre de maladies ou caractéristiques liées au chromosome X touchent seulement les hommes d'une famille lorsqu'ils ont hérité d'un X défectueux. Les femmes éventuellement porteuses d'un tel X défectueux ne seront pas gravement touchées grâce à la présence de l'autre X intact dont elles ont hérité. Parmi ces maladies, on compte l'hémophilie, qui a touché les descendants mâles de la reine Victoria pendant 3 générations, la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie de déperdition musculaire, et le daltonisme. Naturellement, des caractéristiques inhabituelles liées à un chromosome X anormal peuvent survenir chez les femmes aussi. En 1901, le dermatologue allemand Alfred Blaschko étudie certaines affections cutanées qui se manifestent sous forme de lignes, balayant la poitrine, les bras et les jambes, comme les rayures d'un tigre ou d'un zèbre. On sait désormais que ces motifs sur la peau reposent sur 2 phénomènes. Au cours du développement de tous les humains, la peau se forme à partir de cellules précurseurs qui migrent et prolifèrent suivant un tracé en forme de lignes ou rayures. Chez certains individus, quelques-unes de ces cellules précurseurs activent un chromosome X porteur d'une mutation produisant une variation de couleur ou de texture de la peau. Toutes les cellules produites à leur suite comporteront ces mêmes anomalies et révéleront ainsi de manière visible les motifs de développement des cellules de la peau. Mais si vous cherchez une parfaite illustration de l'inactivation du chromosome X, il vous suffit d'observer les chats au pelage en écailles de tortue. On sait d'ailleurs que Mary Lyon possédait un chat de cette variété, appelé aussi calico, qui sont considérés comme des porte-bonheur dans de nombreuses régions du monde. Leur étrange pelage présente de larges taches orange et noires, qui est une conséquence directe du phénomène d'inactivation aléatoire des chromosomes X chez la femelle. Lorsque parmi les 2 chromosomes X dont elles ont hérité, chacun présente une variante de couleur différente, la désactivation au hasard de l'un dans chaque cellule entraîne cette variation de couleur. Les chats mâles, puisqu'ils n'héritent que d'un seul X, ont un pelage de l'une ou de l'autre couleur. On peut observer de très rares cas de calico mâle qui s'expliquent par une autre anomalie génétique, la présence de 2 chromosomes X en plus du Y. C'était bien.
Alors c'est super que tu nous fasses des chroniques comme ça, parce que on avait déjà parlé des chats calico, de l'épigénétique et des chromosomes sexuels dans l'épisode 372 qu'on avait intitulé gras, sexe et poils quand les gènes ne suffisent plus. Et, indeed. Et c'est intéressant de voir l'envers du décor, qui a découvert ces concepts-là, à quelle période de l'histoire de la biologie c'était, et en fait c'était il y a un moment, mais c'est quand même récent dans l'histoire, et surtout, bah, c'est deux femmes qu'on connaît pas, quoi. Voilà, c'est toujours ça un tout petit peu le principe. Alors, cette chronique, donc, je rappelle que c'est quand même des épisodes du docteur Caterny sur le podcast Genetics Unzipped, et que, donc, les femmes qu'elle présente, puisque c'est le podcast de la Société Génétique du Royaume-Uni, ce sont des généticiennes. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les femmes possibles et imaginables. Mais il y a encore d'autres exemples assez surprenants à l'instar un petit peu de Okazaki, que pratiquement tous les généticiens connaissent, parce que on connaît certaines molécules qui portent le nom de ces personnes-là, eh bien, proviennent de femmes sans que ce soit vraiment détaillé. Je vous invite d'ailleurs sur Twitter à regarder un compte que je suis et qui essaye de faire pendant toute l'année, une fois par jour, de présenter une femme scientifique. Je crois que c'est 365 STEM... Woman in STEM, tout à fait, et dans lequel j'ai appris plusieurs fois que telle ou telle femme avait participé à des grandes découvertes en génétique, mais aussi dans d'autres domaines scientifiques. Voilà. Et il y a un truc aussi, il me semble, qui m'a fait penser, à quoi ça m'a fait penser cette chronique, c'est il y a une généticienne aussi qui bosse sur l'évolution des chromosomes sexuels, qui est une femme d'ailleurs, du coup c'est drôle parce que qui s'appelle Deborah Charleworth, et qui était venue nous parler, je me rappelle, à l'ENS quand j'étais étudiante là-bas, et ouais, du coup c'est il me semble que c'est l'une des scientifiques les plus connues dans ce domaine. Du coup je trouve que c'est rigolo de voir que bah c'est toujours une femme qui continue à être leader là-dessus. Enfin, je sais pas, peut-être que tu as entendu parler d'elle, Topo. Mais non, j'ai pas entendu parler d'elle. Elle est anglaise, il me semble. Enfin, en tout cas, elle bosse au Royaume-Uni, et ouais, c'est vraiment, je crois, quelqu'un sur l'évolution des chromosomes sexuels qui a fait des travaux les plus marquants ces dernières, enfin, ces dizaines de dernières années, quoi. Yes, ouais. Bah je regarderai, justement. Et du coup, il y avait juste une question de Daon dans la chatroom qui peut peut-être intéresser les auditeurs. Est-ce que ce mécanisme, c'est spécifique au chromosome sexuel, et est-ce que le Y, du coup, est toujours dominant à 100%? Alors oui, j'ai répondu dans la chatroom, mais c'est vrai qu'on peut faire participer, on peut faire remonter justement ces interrogations pour le coup, pour lequel j'ai des réponses. Alors pour l'aspect de dominance entre le chromosome X et le chromosome Y, il faut savoir que le chromosome Y, c'est a priori un chromosome X modifié qui est devenu un chromosome à part entière différent du chromosome X. Et du coup, il y a certaines zones qui sont présentes sur le chromosome Y qui sont homologues avec le chromosome X, et donc qui permet d'avoir un jeu de rapport en ce qu'on appelle l'homozygosie et l'hétérozygosie, dans lequel un allèle, une version d'un gène, peut être compensé par une version qui est présente sur l'autre chromosome. Donc, tout n'est pas dominant sur le Y. Voilà, donc ça, c'est une chose à savoir. Et l'autre question, c'est: est-ce qu'il y a des chromosomes qui existent et qui ne sont pas sexuels et qui pourraient être concernés? Alors oui, ça existe. D'ailleurs, j'en parle dans un très très bon livre qui s'appelle Moi Parasite. Et il y a des cas de chromosomes parasitaires. Donc ce sont des organismes chez qui, dans le génome, on peut voir un chromosome qui doit être inactivé pour que l'organisme fonctionne bien, parce que c'est un vestige d'un parasitisme. Et il y a tout un jeu, justement, de maintien de la compaction de ces petits chromosomes, qui parfois, quand ils sont libérés, peuvent avoir des effets très très délétères, mais aussi qui peuvent, dans certains cas, assurer une évolution importante. Et c'est peut-être pour ça ce qui explique que ces chromosomes mettent du temps à disparaître de ces organismes. Donc il y a tout un pan de la parasitologie qui s'intéresse justement sur
ces chromosomes complètement compactés qui se trouvent dans les cellules de certains organismes. Généralement, ce sont des insectes. Ok, merci beaucoup pour ces infos. Il n'y a plus de questions, je pense, à moins que vous en ayez d'autres. Et si vous n'avez pas de questions, du coup, c'est moi qui enchaîne sur la question qui nous brûle les lèvres depuis quelque temps. La force d'un muscle est proportionnelle à sa taille, un faux ou un tox? Alors, est-ce que vous avez une hypothèse dans l'équipe? Alors, vu que je sais la suite du contenu, j'ai des hypothèses, mais ce serait d'effleurer beaucoup trop tôt le contenu de cette manière merveilleuse chronique que tu nous prépares. Très bien, eh bien c'est parti. J'ai fait quelques recherches et effectivement, on est en droit de se poser la question. Moi, quand je regarde quelqu'un faire de l'escalade à haut niveau, qui est en général plutôt fin et lancé, ça m'énerve beaucoup parce que déjà, moi, j'y arrive pas. Et je me demande souvent si ils sont plus balèzes au final qu'une armoire à glace qui fait de la musculation et qui a des tours de bras aussi larges que mes hanches. Voilà. Alors pour une fois, c'est pas mon domaine de spécialité, mais j'ai pas eu trop de recherches à faire puisque le frère de Cléora, alias Malone, qui est dans la chatroom en ce moment, nous a envoyé une réponse plutôt classe et plutôt détaillée. Donc merci infiniment Malone puisque j'ai repris certaines des sources que tu nous as envoyées et ça m'a permis de défricher le sujet un peu plus vite. Et avant de répondre à la question, du coup, il faut qu'on reprenne quelques bases. Déjà, c'est quoi un muscle et comment ça fonctionne? Alors, au risque de paraître très trivial, tout le monde sait ça, le muscle c'est un organe qui nous sert à bouger, donc c'est un mélange de ce qu'on appelle le tissu musculaire, de vaisseaux sanguins, de nerfs qui sont emballés dans un tissu qu'on appelle le tissu conjonctif pour faire la liaison entre tous les morceaux. On considère en anatomie qu'il y a grosso modo trois types de muscles qui sont constitués chacun de cellules musculaires avec des caractéristiques différentes. Alors on trouve le muscle squelettique, c'est celui que vous connaissez le mieux. C'est celui qui est ancré aux os par les tendons et qui permet de bouger en tirant sur notre vieille carcasse. On appelle ça aussi le muscle volontaire parce qu'on peut utiliser ces muscles consciemment si on est en bonne santé et ordonner volontairement à nos membres de bouger grâce à eux. Alors j'ai trouvé un chiffre sur internet, ça représenterait 42% de la masse corporelle chez un homme et en moyenne 36% de la masse corporelle chez une femme. Donc ça, c'est le muscle que tout le monde connaît, vous savez, quand vous faites l'expérience en cinquième pour vous expliquer la contraction musculaire avec ce fameux ballon de baudruche, non? Tout le monde a fait cette expérience? Non, c'est quoi? Ou pour comprendre la contraction, tu gonfles le biceps comme ça, et du coup, ça tire le bras en faisant levier. Ah non, nous, on nous expliquait en disant « tu fais sans pompe ». Ça marche aussi, effectivement. Voilà. Je déconne, bien sûr. Donc le muscle squelettique, c'est celui auquel on pense tous spontanément. Ensuite, on a le muscle lisse, qui est un muscle qui entoure les organes internes, comme les intestins, ou les bronches, ou l'œsophage, ou l'utérus, et même les petits muscles qui font que vos poils se dressent quand vous avez la chair de poule. Bah oui, vous croyez que ça se faisait tout seul, mais en fait, ce sont des muscles involontaires qui se contractent inconsciemment pour faire leur job tout seul comme des grands, à l'insu de votre plein gré. Et enfin, il y a le muscle cardiaque, qui est qualifié de muscle autonome et qui fonctionne tout seul tout le temps, et qui va se contracter en toutes circonstances pour pomper bravement vos 4 à 6 litres de sang encore et encore pendant toute la durée de votre vie. Merci le cœur. Alors, ces muscles sont bien sûr différents, mais ils utilisent concrètement tous les trois à peu près le même principe de contraction. Dans chaque cellule musculaire, il y a un réseau de filaments de protéines qui sont bien alignés. Il y a des filaments d'une protéine qu'on appelle l'actine, qui sont intercalés avec des filaments protéiques qu'on appelle la myosine, d'une protéine qu'on appelle la myosine, et qui a la capacité de bouger. Sur un schéma, pour vous faire une idée, le filament de myosine, ce serait comme une espèce de grappin mécanisé dont la tête pourrait s'accrocher au filament d'actine pour le remonter progressivement en faisant de l'escalade. Cette petite unité, actine-myosine, ça s'appelle un sarcomère, et la contraction de chaque sarcomère microscopique, de proche en proche, tout le long d'une fibre musculaire, c'est ça qui va permettre la contraction du muscle. Alors, sachant du coup que c'est pas la mère de Sarkozy, on est d'accord. Exactement. J'hésitais à faire cette blague dans ma chronique, mais je me suis dit, non, c'est pas possible, Topo va la faire. Merci. Donc la contraction musculaire, je sais pas si vous avez déjà vu ça en modélisation ou en dessin, mais c'est un processus biologique qui vraiment m'avait passionnée quand je l'avais découvert à la fac en biologie. Je vous mets le lien de la modélisation dans la chatroom pour que vous puissiez regarder. C'est vraiment marrant, ça fait comme des petits grappins qui remontent la fibre d'actine comme ça, et voilà, c'est fascinant. Alors, pour revenir à nos fibres musculaires volontaires,
Il y a encore plusieurs sous-catégories. Il y en a deux types globalement. Les fibres qu'on appelle de type 1, qui ont une contraction lente, mais qui se contractent pendant longtemps. C'est le cas notamment de tous les muscles qu'on appelle les muscles posturaux, qui fait que vous vous tenez droit sur votre chaise, ou alors affalé, mais en tout cas que vous n'êtes pas totalement couché et mou comme un blob en travaillant. Et puis il y a les fibres de type 2, qui du coup ont plutôt une contraction rapide et forte, mais qui eux fatiguent très très vite. Alors, dans ces filaments de type 2, il y a encore trois autres sortes de fibres, les types 2A, 2B, 2C, etc., qui ont quelques différences. Elles se distinguent par le type de carburant qu'elles utilisent, ce qu'elles consomment pour fournir de l'énergie, et aussi par leur temps possible de contraction, qui varie de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes. Voilà, alors que les muscles posturaux dont je vous parlais avant, eux, ils peuvent vous maintenir droit pendant des heures. Donc ces fibres-là, les dernières dont je viens de vous parler, ça compte pour la majorité de la force d'une personne, la force active, que les trucs qu'on peut tirer très lourds, alors que les muscles posturaux sont un peu moins forts. Donc là, vous voyez qu'on arrive sur la subtilité de notre problème. S'il y a des muscles de plusieurs natures et de plusieurs caractéristiques, est-ce que c'est la taille qui compte ? Plus subtil encore, comment quantifier la force d'un muscle ? Est-ce que l'on doit se baser sur la pression qu'il est capable d'exercer ? Est-ce que l'on doit prendre sa durée de contraction en compte ? Parce que, spoiler, en fonction de la définition, la réponse peut changer. Par exemple, le plus grand muscle de votre corps, c'est lequel à votre avis ? Je ne sais pas si vous le savez dans l'équipe. Bah, je viens de le voir, je me suis un petit peu spoilé, mais j'aurais pas dit ça. L'estomac, non, l'intestin. C'est un organe, c'est pas un muscle du coup. Mais il y a des muscles autour de ton intestin qui vont pouvoir faire les contractions intestinales. Les abdos, tout ça. Ouais. Bon alors, il y a des réponses différentes. Alors le muscle le plus grand, je vais y revenir, mais certaines personnes quand je pose la question me disent le muscle le plus puissant, c'est la langue. Mais la langue, c'est pas vraiment un muscle. En fait, c'est 17 muscles qui sont imbriqués eux-mêmes dans un organe assez complexe et assez pratique, il faut avouer. Donc ça compte pas vraiment. Et il y a le fameux muscle de la mâchoire, qu'on appelle le masséter, qui lui peut exercer une pression très forte. Alors, on estime en moyenne que c'est une pression de 58 kg par centimètre carré chez un humain. Alors ça paraît beaucoup, et c'est beaucoup, mais on est des petits joueurs à côté du crocodile qui lui peut exercer une pression de 2 tonnes par centimètre carré. Et pourtant c'est un relativement petit muscle par rapport à d'autres dans le corps. Voilà. Et si on regarde du point de vue de l'endurance, le grand muscle fessier qu'on a dans le dos est pas mal en tête. C'est le muscle qui rend nos fesses galbées là et qui nous permet de nous propulser quand on court et de nous maintenir debout pour faire des squats. Ça, c'est un des muscles les plus grands et les plus forts du coup du corps humain si on prend la définition de la contraction longue. Je me permets d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet. J'écoutais un podcast fascinant sur des théories évolutionnistes qui essayent de déterminer si... Parce que c'est une spécificité humaine d'avoir des muscles des fesses aussi proéminents et aussi forts. Et il y a tout un pan de l'évolution humaine qui s'intéresse à déterminer si... En quoi ça, c'est de la spécificité de l'humanité, et si c'est pas parce qu'on a des fesses galbées qu'on a aussi bien réussi à conquérir la planète. Voilà. Donc en fait, c'est grâce à notre cul, peut-être. L'évolution du cul. Parfait. Et donc voilà, on a plein de muscles qui nous servent à plein de choses et qui ont des forces différentes. Le plus long du corps, c'est un muscle qui est dans la cuisse, qui s'appelle le muscle sartorius. Ou muscle couturier, et voilà, c'est considéré comme le plus long et le plus grand ou le plus puissant. Certaines personnes estiment que c'est le grand dorsal, donc le muscle qui remonte tout le dos et qui maintient la posture du dos. Mais voilà, il y a débat. On pourrait aussi se dire que les muscles de l'utérus, ça doit pas être trop mal dans le genre. Je pense que n'importe qui accouche doit être à peu près d'accord avec ça. Et puis le muscle cardiaque, le bras aussi, des fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Juste avoir ses règles aussi, des fois. Ça... Avoir ses règles, ça peut te le montrer aussi, ouais, ça fait mal. Ça... pas pour tout le monde, mais quand t'as pas de bol, c'est le cas. Voilà, donc on a pas mal de muscles qui à taille égale ou non, ont des forces différentes. Et bien sûr, le muscle cardiaque, qui se résume à la surface de votre cœur, qui va bravement se contracter à raison de, disons, 80 pulsations par minute au repos pendant toute votre vie. Ça fait quand même 115 200 pulsations par jour. Ça fait 3 456 000 pulsations par mois.
et ça fait 42 millions, 48 000 battements par an, etc., jusqu'à ce que vous soyez mort. Enfin, c'est quand même vertigineux. Du coup, pour évaluer la force musculaire, il faudrait prendre en compte à la fois la pression maximale générée, la résistance du muscle et son endurance, et la force générale que peut produire un muscle et que vous pouvez utiliser dépend bien sûr de bien plus de facteurs que sa taille. Il y a des facteurs anatomiques, par exemple le nombre de myofibries, donc de fibres musculaires dans un certain diamètre de muscle, ça va influencer. La taille de l'individu, globalement, va aussi influencer, parce que proportionnellement, la masse musculaire augmente quand même avec la taille d'une personne. L'architecture des muscles, les effets de bras de levier, la façon dont on va porter les choses avec tous les concepts de physique qu'on connaît, les angles et les effets de levier, la vitesse du mouvement, la durée de l'exercice et les propriétés de chaque muscle, tout ça, ça va influencer la force que vous pouvez mettre en œuvre. Même la température rentre en jeu. Si vous augmentez la température du muscle, vous augmentez sa vitesse de contraction. Et c'est pour ça, globalement, qu'on s'échauffe avant un entraînement. Voilà. Quelqu'un demande si un muscle qui déclenche l'éjection du lait type muscle érectile serait dans la classification des muscles les plus forts. Alors, j'ai pas vérifié la force de cela, mais effectivement, ça peut être un muscle d'une certaine force aussi. Donc grâce à Malone, le frère de Cléora, je peux même vous faire un complément de réponse sur l'entraînement des muscles, parce que faire de la gonflette et le faire correctement, c'est du sérieux. Et il y a toute une série de recommandations et d'études sur les bonnes manières d'entraîner ses muscles à devenir plus gros et plus fort. On parle d'hypertrophie musculaire. Donc pour ressembler à Hulk, il y a des conseils du style faites 2 à 4 jours d'entraînement musculaire par semaine avec 48 heures de pause entre deux entraînements du même groupe musculaire, et pour un gain de force optimal, c'est recommandé d'utiliser des charges qui sont supérieures à 70% de la charge maximum que vous pouvez porter à chaque fois, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Donc bref, la gonflette, c'est une vraie science, hein. Voilà, mais du coup, avant de conclure sur cette chronique, un petit mot sur un aspect important de cette histoire de force, parce que vous vous dites, génial, un sujet léger, évidemment que c'est une intox, on a réglé la question, mais pourquoi est-ce que c'est important de se renseigner sur la force musculaire ? Eh bien, parce que les muscles, ce sont des fibres musculaires, on l'a dit, et celles-ci peuvent aussi se dégrader, c'est le cas pour les myopathies, quand on a une dégradation des fibres musculaires. Et encore faut-il pouvoir aussi les contracter consciemment ou non. Que se passe-t-il quand les connexions nerveuses ne donnent pas d'ordre suffisamment puissant pour que le muscle se contracte ? L'atteinte d'un nerf, une inflammation ou une lésion quelconque sur le trajet entre le cerveau et le muscle peut être décisive dans notre capacité à les contracter, qu'on ait des gros biceps ou pas. Voilà. Certaines études mettent d'ailleurs en avant que selon le type d'entraînement que vous suivez, les adaptations neurologiques d'activation du muscle à volume égal ne vont pas être la même. Donc, il y en a qui constatent que si vous portez une charge plus légère un peu plus souvent, vous allez faire la même quantité de muscles qu'en portant une charge plus importante moins fréquemment. Donc, vous aurez soulevé la même chose, vous aurez généré la même masse musculaire, mais vos neurones vont activer plus facilement votre muscle à un entraînement où vous avez porté quelque chose de plus léger que par rapport à un entraînement où vous aurez porté un truc plus lourd. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Et en cas de pathologie, est-ce qu'on pourrait remplacer ces muscles dysfonctionnants par autre chose ? Souvent, on s'imagine très mal ce qui peut se passer si l'un de nos muscles ne se contracte pas. Alors si je vous dis, on enlève un muscle du bras, là on se représente bien. Mais j'avoue que je me suis posé une question terrifiante pendant cette recherche. Comme vous, je suis sûre en ce moment, que se passe-t-il lorsque c'est un muscle comme le sphincter qui ne fonctionne plus ? J'ai envie de dire, c'est la porte ouverte à 2-3 problèmes incommodants. La porte ouverte, c'est bien vu. Et du coup, en cherchant cette info, je me suis un peu perdue sur Internet, notamment sur PubMed, car oui, l'incontinence anale est un problème médical dont on parle peu. Toujours ce fameux tabou du caca, qu'on n'a pas du tout à Podcast Science. Et la recherche avance. Oui, la recherche avance, et ce sont maintenant tantôt des anus artificiels qu'on arrive à refaire pousser à partir de cellules souches musculaires, tantôt des implants magnétiques qu'on peut utiliser pour remplacer le sphincter. Est-ce qu'on a des images, par pitié, est-ce qu'on a des images des anus en culture ?
Dans la publi associée, mais j'en ai pas préparé pour la chronique parce que je suis très mauvaise. Mais j'en non, non, dans mais c'est bon, émissions. C'est bon, j'y suis, j'y vais, je vais chercher. Okay. Voilà, donc si vous me croyez pas sur l'histoire de l'anus magnétique, il y a vraiment un système de fermeture magnétique de sphincter qui a été développé. Donc ça se fait à base de billes de titane et d'aimants qui sont reliés entre eux par des filaments de titane qu'on peut ouvrir et fermer en poussant, comme quand on va faire caca aux toilettes. Et c'est une solution d'urgence de dépannage qui a été développée à Nantes à l'Institut des maladies de l'appareil digestif. Voilà. D'ailleurs, en passant, si vous êtes curieux et que vous voulez savoir comment on mesure la force du sphincter anal, est-ce que vous êtes curieux ? Oui. Oui. Eh bien, une des méthodes utilisées m'a particulièrement passionnée. Ça s'appelle le test de la sphère solide. Concrètement, on met une sphère de 2 cm dans l'anus et on tire. Voilà. Et on peut mesurer la force de traction nécessaire à ce que la boule sorte. Si c'est en dessous de 5 newtons, on estime que vous êtes incontinent. Si c'est au-dessus de 7 newtons, on estime que vous êtes continent et que vous arrivez à vous retenir. C'est formidable. Attends, donc le protocole, c'est on te met une bille dans le cul et on te dit on garde la bille dans le cul. C'est ça. Et on tire. Et si ça fait trop vite, c'est pas bon. C'est exactement. Comme des boules de geisha pour c'est le parfait. Cul, en fait. Un peu. Super. Pardon ? C'est comme des boules de geisha pour le cul, en fait. Exactement, voilà. Donc on utilise ce genre de méthode mais oui, aussi mais attends, pour la traction. Est-ce qu'ils ont utilisé des boules de geisha ou est-ce qu'ils avaient quand même un matériel scientifique ? Là, c'est juste une boule de 2 cm. Les boules de geisha sont un peu plus grandes, je crois. Ah, comment tu sais ? Parce que j'en ai déjà vu. Ah. C'est la culture. Voilà, je suis sûre que ce petit détour vous passionne, mais bon, je vais quand même finir ma chronique un jour. Donc pour finir, la force d'un muscle est proportionnelle à sa taille, c'est donc une intox. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte, et non, la taille ne détermine pas forcément la force du muscle. Ce n'est bel et bien pas la taille qui compte, mais en partie la façon dont on s'en sert. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Excuse-moi, moi je suis en pleine recherche d'images sur les sphincters en titane, là, ou je sais pas quoi. Tu nous les mettras dans les notes d'émission, s'il te plaît. Voilà. du coup, sans transition, peut-être qu'on va proposer le nouveau quiz du moment, le prochain quiz. Je sais pas si Topo, tu veux le faire. Ah bah si vous voulez, en fait on a eu une proposition aujourd'hui par Barenzia qui nous a demandé si on pouvait répondre à la question visiblement qui la taraude en période de confinement. La vitamine C empêche de dormir, info ou intox ? Et donc réponse dans quelques semaines, si Eléa trouve la réponse et si elle ne se perd pas encore une fois dans les abysses d'internet qui va lui faire recouvrir le lien caché entre la vitamine C et l'anus artificiel. N'oubliez pas de nous envoyer vos avis sur les réseaux sociaux ou par email à podcastscience@gmail.com. Je relève ce défi. Très bien, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Déconfinés ou pas, on espère que comme nous, vous vous coucherez moins bête ce soir. On vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine et on vous attend la semaine prochaine à la même heure sur live.podcastscience.fm. Que servir la science soit votre joie.